Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this special edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television, live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. Cédric Noufilé, good evening. Good evening, Formi Armstrong. Bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale d'informations, des solutions politiques aux crises multiformes. Également, les orientations économiques sont les solutions très attendues dans le discours du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui doit s'adresser à la nation ce soir à partir de 20h. Un discours à suivre sur Equinox Télévision et au regard des inquiétudes grandissantes dans le cœur des Camerounais et l'exaspération liée à la crise anglophone, Paul Biya va-t-il redéfinir le cap en annonçant des réformes audacieuses, une feuille de route claire pour restaurer la paix et promouvoir le vivre ensemble? Élément de réponse dans cette édition spéciale d'information. A lone story tonight in this special edition of the news, contrasting views, opinions, expectations of Cameroonians ahead of the new year 2020. While some Cameroonians expect President Paul Biya tonight in his traditional end of year message to squarely and objectively handle situations or hand down situations and key solutions concretely to handle the crisis in the northwest and southwest region of Cameroon, some Cameroonians on their part think the priority in 2020 for Cameroon is to rally and chase out the current regime. Get what who is thinking in Cameroon as far as 2020 is concerned, right ahead in this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this special edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Cameroonians are highly expecting President Paul Biya today to handle key issues plaguing Cameroon as a nation. One of the key expectations of Cameroonians is for President Paul Biya to pronounce concrete solutions that will squarely handle indefinitely or definitely give a solution to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. The crisis that started since 2016 and has been extending, worsening further in the two English-speaking regions of Cameroon. In the expectations, they say some of the issues already done by the government to solve the crisis is not enough, but they want that President Paul Biya should give some of the key things that the people have been asking for as he talked to the Cameroonian nation. We shall be coming back to the expectations of internally displaced persons in Loum in the Mungo division of the littoral region right ahead in this edition of the news. But we'll take you to the southwest region where standoff for Cameroon told the people of Tiko subdivision that the priority of Cameroon in 2020 is for them to rally and chase out the current regime. And the report was equally handled by our reporter Derek Jato, who took part in that event in Tiko. And of course, we shall be going down to Tiko to give you the report and the priorities of 2020 according to Stand Up for Cameroon. Stand Up for Cameroon that led the delegation to Tiko subdivision. According to the message sent to the people, priority of Cameroonians in 2020 should be that they rally and chase the current regime, which according to them is responsible for the challenges Cameroon is facing as a nation. Derek Jato. Stand Up for Cameroon is in Tiko subdivision. The team is headed by Edith Kabangwala, president of Cameroon People's Party, the CPP. I have the power. I have the power. You have the power. You have the power. We have the power. We have the power. And with her, her end of year speech. It is important that as this year begins, we put Cameroonians back at the center of the issues in our country. To these members of Stand Up for Cameroon, peace can only return to the country if Cameroonians stand up and change the present regime. We should change the word IDPs to Biya must go. He's the problem. He's the one who brought war in Cameroon, and now we are calling some other Cameroonians IDPs, refugees, terrorists. So we have to change all these words for Biya must go. All of us.
us. We should put our hands together. In their hundred, these internally displaced persons, victims of the Anglophone crisis, told these members of Stand Up for Cameroon that they are helpless, for the crisis is still persisting. Even one high for C, they shoot it for Botox. The one way they say one for look fine. These internally displaced persons were also encouraged to be brave, and that Stand Up for Cameroon will not also relent until the crisis is solved. But we know they give up. As soon as they give up, we know they give up. I know which way they go on. I want to know say from my villages and to people know they again. We are also here to listen to them, to hear what they are going through, so that we can know the correct message to take out to the rest of the nation. Stand Up for Cameroon also came with some consumable products for the internally displaced persons to welcome the new year. And before coming to the Southwest region, Stand Up for Cameroon was in Bamenda, chieftain of the Northwest region. And as Cameroon moves into the new year 2020, some traditional rulers and administrative officials of the Southwest region of Cameroon recall key moments of 2019 in their region. Their opinions were sampled by Derek Jato in the following report. And of course, the opinions of traditional rulers, some key administrators of the Southwest region of Cameroon, their opinions are based on the key moments and highlights of 2019 as they saw it in a conflict-hit Southwest region of the Republic of Cameroon. Derek Jato. Observers have it that 2019 witnessed some steps taken by both parties, the Cameroon government on one hand and the separatists on the other, to shape the situation in the northwest and southwest regions of Cameroon. But today, critics say with the situation still there, it's an indication that the steps that were taken were either in the wrong direction or were very insignificant to address and redress the situation. Today in the southwest region, some authorities are reviewing the year 2019. Fawan Lawrence, the senior divisional officer for Ndian Division, flipped back on the back to school page last September. The doors of all the schools in Ndian Division were widely open to receive students. And permit me also say that before this date, I have taught almost all the subdivisions to emphasize on the importance of school. Then, the cholera outbreak in his division that was also disturbing. And a cholera epidemic erupted in one of the five subdivisions of Bakassi, that is Idabato, and spread to one or two other subdivisions. But thanks to the timely interventions of the state of Cameroon. Reason why he is thankful to his hierarchy. The Prime Minister, Head of Government, Minister of Territorial Administration, and to, of course, the Governor of the Southwest Region for their constant and pertinent support. Chief Ndike Richard Kumbi, President of FACU Chiefs Conference, comes back on the major national dialogue. 2019 has been a very difficult year for Cameroonians of the two English-speaking regions. At a certain juncture, we appreciate the effort of the head of state, President Paul Biya, calling for a grand national dialogue. And some lost that FACU division has recorded, especially at the close of the year 2019. We cannot pretend about it. He might have his own weaknesses in other way. Nobody is perfect. Even those critics, those who sit and criticize him, have their own weaknesses. You want to think that a Kema was somebody we deserve to admire. Expectations are therefore high to see how President Paul Biya will usher the nation into the year 2020 in his end-of-year traditional speech to the nation. The year 2020 will be worthless in Cameroon if its peace is continuously absent. Peace that has been badly affected by the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. That is the statement of some of the internally displaced persons living in Lum in the Mungu division of the littoral region of Cameroon. They said they want nothing in 2020 but peace. Most of the traders in this Mbanga market in the Mungu division of the Littoral region are internally displaced women of the Anglophone crisis.
They come from Ekona, Tombel, and other localities in the southwest and northwest regions. A stranger in a place of which you don't even, your foundation is not there. So we have to start afresh as if we are beginning life. So we really find it difficult with children. Okomo Moyoka, life not easy. School fees over there, house rent for chop now, it's not easy. But they really suffer for here. To survive and ensure their children go to school, they sell Aero. Watafufu and Gari to raise some money. Some who have never done certain activities now have no choice. And even know as they slice Aero. Conditions them, they don't make me, I don't turn now, whom I wear the slice arrow, when I think where I never do one for my life. I don't cut my hand them. So life not easy with me, with my picking them for here. It is the year 2020, and they expect the face of the armed conflict to change to peace. One at peace, no one on not again, one peace. Yeah. We pray, may all things work and more turn back, because we're there for here, so life not easy for we. Peace invoked. Even by their fellow French-speaking host, que la paix règne. They attest the displaced women and their children suffer enormously. Quand toute l'église quelque chose dehors, ils prennent. Tu ne peux pas les en vouloir. Ils n'ont rien. Ils sont en l'air, en l'air. Ce n'est pas de leur faute. An indication: the Anglophone crisis also affects them. C'est nous qui souffrons encore plus à leur place. These as the hungry IDPs harvest from their farms for survival. Qui a cultivé, et ce n'est pas de leur faute, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils ne sont pas dans leur place. However, no need to blame or cast them away. Le manioc en venant qu'on a enlevé, on doit les en vouloir comment? Ils sont chez eux, quand ils étaient chez eux, est-ce qu'ils avaient pleuré? The year 2020, they commit into the hands of God. And some 87 Cameroonian refugees who ran to the Federal Republic of Nigeria have returned to Cameroon today via the Yaoundé Simalén International Airport. They arrived Yaoundé at 12:45 p.m. this Tuesday. It should be noted that these refugees or former refugees living in Nigeria, mainly in places like the Cross River State, the Taraba State, are said to be part of some 700 refugees residents in the Federal Republic of Nigeria who have expressed their willingness to return back to Cameroon after they fled their homes as a result of the Anglophone crisis that has paralyzed activities, livelihood in the northwest and southwest regions of Cameroon. As seen in the images, they were received at the Yaoundé Simalén International Airport by the that is government ministers led by Cameroon's Minister of Territory Administration, Paul Tanganji. Listen to an excerpt of some of the retainees who were captured by our reporters in Yaoundé. And of course, we shall not be having the excerpt of these refugees. And now we talk something else, still in line with the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, after the press conference of Minister Paul Tanganji that gave statistics on the number of persons displaced and equally a situational report on the humanitarian crisis in the northwest and southwest regions. Political actors in Cameroon have been reacting. Even the United Nations has equally reacted, giving statistics which are contrary to the ones given by Cameroon. Cameroon's Minister Paul Tanganji of Territorial Administration, Hemine Luga, reports. And of course, the reaction of Mr. Paul. Recently published by Ocha Cameroon, above 9,000 internally displaced persons in the country are still in a fragile state, vulnerable and in need of help, and as declared by Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, over the weekend, some civil society actors simply swell up figures concerning the victimized population of the crisis in the northwest and southwestern regions for personal interest. Les sorties des membres du gouvernement. Philippe Nanga is a civil society actor, and according to him, such declarations like that of Paul Tanganji are unfounded and are acts of pure publicity of the state, which according to him fragilizes the IDPs. Qu'il fait un gouvernement n'a pas de réponse.
Meantime, Elie Zhang says the truth has been said by Minister Paul Otangenji as he notes that some lapses have been recorded by some civil society actors who, according to the Minister of Decentralization, used to enrich themselves. Les principaux bénéficiaires en sont more so humanitarian actors, according to Elie Zhang, have their place, but there is need for them to be more responsible and factual, as he says they quite often are unclear in directions. With some using humanitarian actions to smuggle arms, as denoted by Minister Paul Otangenji, Elie Zhang, who backs up the idea, says there is need for the state to ensure more screening on civil society actors. And that report brings us to the end of this first part of the news in the English language. Don't go away. The news continues in the French language with Cédric Nufilé. Cédric Nufilé, good evening once again. Bonsoir une fois de plus, Fomi Armstrong. Dans moins de deux heures, le président de la République, Paul Biya, doit s'exprimer à l'endroit de la nation camerounaise. Discours très attendu au regard des inquiétudes grandissantes dans le cœur des Camerounais, surtout l'exaspération liée à ces deux ans et demi de guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Dans la région de l'ouest, l'une des régions voisines à ces régions en guerre, les populations qui ressentent le plus les effets dévastateurs de la crise anglophone interpellent le chef de l'État sur l'urgence de mettre sur pied une feuille de route claire pour mettre un terme à ces violences meurtrières et promouvoir le vivre ensemble au Cameroun. D'aucuns s'intéressent également aux orientations économiques pour l'année 2020. En clair, redéfinir le cap pour rassurer les Camerounais, c'est en tout cas un chapelet de doléances qui a été capté par notre reporter Leclerc Sakem à Bafoussam. Reportage. Ce soir, le chef de l'État, comme de tradition, montera dès 20h au créneau pour s'adresser à la nation camerounaise. Au sein de l'opinion publique de la région de l'Ouest, les spéculations vont bon train, des voix dissonantes. En gros, les éléments qui reviennent ont trait à la crise sociopolitique qui mine le Cameroun depuis de nombreuses années déjà. Nous espérons entendre du chef de l'État de la prise de décisions très importantes, notamment sur le plan sécuritaire, la pacification de l'étendue du territoire national avec une résolution définitive de la crise qui secoue notre zone du nord-ouest et du sud-ouest depuis quelques années. Nous ne pouvons qu'attendre une seule chose, c'est-à-dire la résolution de la crise. Du moins, c'est un moyen davantage pour résoudre la crise dans le NOZO. La question de l'emploi jeune. Mais si il y a beaucoup de jeunes qui sont employés, qui sont diplômés, ne font rien. Donc, on ne sait pas si on crée des emplois, on serait mieux à l'aise. Parce que être sur la moto, ce n'est pas qu'on est fier d'être Ben Skinner. Donc, on se débrouille, mais ça ne va pas. On a des diplômes, mais on ne fout rien avec. Le problème d'emploi jeune qui a toujours fait l'actualité dans notre pays depuis des lustres. Je ne pense pas que nous pouvons attendre grand-chose que ça. Il faut qu'on amorce déjà le processus de développement pour que d'ici peu, que chaque Camerounais puisse manger aisément dans son assiette. Certains vont plus loin et parlent du déjà entendu. Ils regardent désormais ailleurs. Ce soir, il n'y a véritablement rien à attendre du discours du président Paul Biya. Il me semble qu'après 37 ans, il n'y a rien de nouveau sous le soleil qui peut produire dans un discours. Nous avons l'habitude des discours creux, des discours qui n'apportent rien, des discours au cours desquels on prononce un ensemble de chiffres et au cours de l'année on ne parvient pas à observer et à voir exactement comment est-ce que ce discours a pu se décliner et se mettre en exergue sur le terrain. Donc il me semble que pour quelqu'un qui a eu l'habitude d'écouter les discours de M. Biya, c'est une perte de temps. Et c'est la raison pour laquelle moi personnellement, je n'ai pas de temps à perdre ce soir. Si certains Camerounais ont visiblement cédé au découragement, d'autres par contre croisent les doigts, espèrent à l'issue du discours des annonces fortes qui s'inscrivent dans le sens de l'amélioration du cadre de vie. Concernant la crise anglophone, le gouvernement annonce le retour de 87 personnes présentées comme des réfugiés camerounais au Nigeria
qui ont été transportés dans la cité capitale à Yaoundé. Ils ont été accueillis à grande pompe à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Le gouvernement qui se félicite des opérations visant au retour des Camerounais réfugiés au Nigeria du fait de la crise anglophone qui perdure depuis près de 3 ans dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. D'autres explications avec Guizogo. 87 réfugiés rapatriés du Nigeria ont regagné le Cameroun par Yaoundé où ils ont été accueillis à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par des membres du gouvernement. Parmi ces réfugiés, des figures du camp séparatiste dont le docteur Success Nkongo et Léonard Nandje Nambaré, dit général Nambaré. Je suis très fier d'être ici. C'est un événement historique pour moi parce que je n'attendais pas ce genre d'accueil tellement honorable. Je n'attendais pas et ça m'a tellement impressionné. Je suis très fier pour voir un grand respect qu'on me donne aujourd'hui avant tout ce que j'ai fait. Je connais ce que j'ai fait. Si on me pardonne aujourd'hui, je sais qu'on va pardonner tous mes frères, tous mes gens qui sont en forêt. N'aie pas peur, sortir au champ. Nos parents sont souffrés. On a perdu nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos maisons, nos business. Tout, on l'a perdu. Aujourd'hui, notre président, président Pobia, nous dit, mes enfants, rentrez chez vous. Ils indiquent qu'ils s'engagent pour la paix, tout en exprimant leur gratitude pour le pardon qui leur est accordé. J'aime le Cameroun et j'ai décidé de prendre l'initiative de paix. Et chaque chose que je vais faire, je fais avec tout mon cœur. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On ne veut pas appeler quelqu'un de hier pour venir arranger notre problème. Nous, on va arranger nos problèmes. Le problème, ça nous concerne, nous les Camerounais, et ça nous regarde. C'est notre problème. Ce n'est pas le problème de France ou le problème des États-Unis ou le problème de Côte d'Ivoire ou le problème de Ghana. C'est le problème des Camerounais. C'est notre problème. Venez nous tous, on gère, on parle dans notre problème. Quant à la question de leur réinsertion, ils affichent de l'optimisme et appellent les autres combattants et réfugiés à regagner le Cameroun. Hey, je suis chez moi, ça c'est mon pays. Présentement, je suis à Yaoundé. Après ceci, je serai n'importe où que je vais décider d'être. Tous les fighters et tous les réfugiés, pardon, il faut venir. S'il te plaît, pardon. Je parle là, je ne connais pas que je peux avoir un truc comme ça là aujourd'hui. Ça dit, ça m'a dépassé à pleurer. Dans le camp du gouvernement, personne ne s'est exprimé sur ce retour. Tout au plus, on indique que ces réfugiés et ex-combattants bénéficieront d'un accompagnement de l'État pour leur réinsertion. Selon des sources, autour de ce retour se trouve l'action concertée du cardinal Christian Toumi, du leader d'opinion Eli Smith et du patron de la Direction générale de la recherche extérieure. Ce sont 100 réfugiés qui sont attendus pour la première vague du retour de ces derniers au Cameroun. Au total, d'après des indications, 700 réfugiés parmi ceux actuellement au Nigeria ont manifesté le désir de retourner au Cameroun. Cette épineuse question du rapatriement des réfugiés camerounais qui se sont installés au Nigeria du fait de la crise anglophone, elle avait été abordée lors du grand dialogue national. Les recommandations ont été formulées et le cardinal Christian Toumi a émis le vœu de voir, d'écouter également le chef de l'État se prononcer sur cette question. Paul Biya qui doit s'exprimer ce soir à partir de 20h. Un message à la nation à suivre en direct sur Equinox Télévision avec une édition spéciale de l'émission Equinox Soir présentée par Serge-Alain Otto. Dans le cadre des reprises des activités du terminal à conteneurs du port de Douala, l'autorité portuaire dit avoir pris des mesures pour réquisitionner les biens gérés par le concessionnaire DIT, dont le contrat s'achève ce 31 décembre 2019 à minuit, selon le port autonome de Douala. Cette action est en application des prérogatives de puissance publique que lui confère le décret du 24 janvier 2019 à son article 14, ainsi que l'article 48 du contrat de concession de 2004, qui donne le droit de préemption sur les équipements par le concédant en cas de rupture de contrat ou d'absence d'un nouveau concessionnaire. DIT, filiale de Bolloré, n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, DIT affirme que le recours
à cette procédure est illégale dans la mesure où la réquisition n'est pas un pouvoir ouvert au port autonome de Douala. Selon DIT, la réquisition par cette administration n'est possible que dans des situations très spécifiques de sécurité nationale ou de très graves accidents. DIT critique le recours à la régie, qualifiant d'illégale la démarche du port autonome de Douala, car selon DIT, il faut une autorisation préalable du comité consultatif d'orientation du port autonome de Douala. Le recours à la réquisition des moyens et ressources de DIT afin de permettre à la régie d'assurer la continuité des opérations du terminal à conteneurs montre le degré d'impréparation du port autonome de Douala selon DIT. DIT, filiale de Bolloré, compte saisir les instances judiciaires et administratives afin de contester cette tentative de spoliation de ses équipements et de son personnel. Dans l'actualité du réveillon de fin d'année, de nombreux Camerounais vont s'arrêter et pouvoir partager des repas spéciaux. Et pourtant, des médecins tirent déjà la sonnette d'alarme sur les nombreux cas d'indigestion enregistrés durant ces deux dernières semaines au Cameroun. Quels sont les conseils et pratiques pour mieux manger durant les fêtes de fin d'année et éviter des cas d'indigestion? Je vous propose de suivre ce reportage que signe Isabelle Carole Zoupette. Bien se nourrir est essentiel pour rester en bonne santé. Toute chose qui impose une bonne hygiène de vie, qui passe par le respect de quelques règles telles qu'être rigoureux sur la qualité et la quantité d'aliments que l'on consomme. Des habitudes simples dont le non-respect peuvent conduire à une intoxication alimentaire. Quand on parle d'intoxication alimentaire, c'est des gens qui font l'intoxication alimentaire sont des patients qui prennent en désordre leur alimentation, surtout en des périodes particulières. Ils changent leur façon de manger, leur période d'alimentation en fonction de la journée, et ce qui fait que l'organisme n'est pas habitué à ingérer l'aliment à 16 heures, parfois des heures tardives, ce qui fait que le patient pourrait donc avoir cette intoxication alimentaire, appelée encore intolérance gastrique. Il est important de rappeler ces quelques règles d'hygiène pour éviter tout désagrément en cette période festive où les uns et les autres se livrent à des excès de table. Profiter de la fête, c'est aussi faire attention au mélange, réitère le médecin. Généralement, si c'est des patients qui ont fait des diarrhées, des vomissements, ils peuvent arriver dans un centre de santé avec des complications comme une déshydratation. Nous sommes obligés de réhydrater ce patient-là et mettre le tube digestif au repos le temps que l'organisme puisse vraiment se redonner. Dans cette intoxication alimentaire, on peut avoir d'autres agents pathogènes comme les virus, les bactéries, tels que Shigella, tels que Salmonellose. Donc tous ces patients-là, ils arrivent à l'hôpital non seulement avec des douleurs abdominales, ils peuvent avoir des selles glaireuses, des selles sanguinolentes. Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront d'éviter une intoxication alimentaire et de passer de joyeuses fêtes. Premièrement, d'abord, il faut éviter de boire pendant qu'on mange. Deuxième chose aussi, on va bien mâcher le aliment. Ça participe à la digestion. Deuxième chose, prendre assez de fruits et de légumes. Des cas d'intoxication alimentaire connaissent un boom dans les hôpitaux pendant les fêtes de fin d'année. Face à cela, les médecins appellent à la retenue au regard de la variété des repas proposés en cette période. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale d'information sur Equinox Télévision. Je vous propose de rester sur cette même antenne pour suivre dans une poussière de secondes l'édition spéciale de l'émission Equinox Soir présentée par Serge Alain Otou. La crème de la classe politique doit décrypter d'abord le bilan du discours du chef de l'État le 31 décembre 2018, les actions réalisées durant l'année 2019 et enfin les attentes par rapport à ce discours prévu ce soir à 20h à suivre en direct sur Equinox Télévision. Armstrong Formy. Cédric Nouvelet, thanks very much. Viewers, thanks for staying with us in this special edition of the news on Equinox Television. We urge you to stay in the company of your best TV channel as we have a crack team of politicians and specialists who will be dissecting the message of President Paul Biya. Have a nice move into the new year 2020. Et avant de conclure cette édition spéciale d'information, il faut préciser que juste après le discours du chef de l'État, vous retrouverez sur ce plateau
bientôt Jonathan Babila et d'autres invités d'expression anglaise pour réagir à chaud sur les annonces faites par le chef de l'État qui va certainement s'exprimer sur l'évolution concernant la gestion de la crise anglophone, des orientations économiques pour l'année 2020 et redéfinir le cap à travers des réformes très attendues par l'opinion publique nationale et même la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.